Voyez, nous allons maintenant lire Ésaïe 7,15. Chaque jour, je vous lis un verset. Ici, on est en train de parler du Seigneur Jésus. Le garçon qui est né pour nous, on a ici un fait important pour lequel vous devriez prier pour le comprendre. Il dit comme ceci à son sujet, « Il se nourrira de lait fermenté et de miel, quand il saura rejeter ce qui est mauvais et choisir ce qui est bon. » Qu'est-ce que c'est cela? Des choses normales de la vie. Il va manger du beurre, du miel, que le beurre est fait du lait, le miel vient des abeilles. Mais si cela se produit, ce produit même qu'il soit, on va dire ainsi, utilisé pour jeter le mal et choisir le bien. Et il a été. Il a fait que nous puissions prendre cette décision. Aujourd'hui, n'accepte pas le salut seulement qui ne le veut pas. Voyez ce témoignage. J'avais un problème à la hanche ici, à la ceinture. Je ne pouvais pas me baisser pour aller aux toilettes, ni rien. Et maintenant, Dieu m'a guéri. Je ne parvenais pas à me baisser. Eh bien, mettez la canne sur votre épaule. Mettez le bâton sur l'épaule. Et allez marcher maintenant. Vous pouvez marcher, ma sœur. Dieu ne fait pas les choses à moitié. Marchez plus. D'autant plus vous marchez, plus Jésus va vous guérir. Venez, 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 venez. Ça va mieux? Oui. Eh bien, marchez maintenant, ma sœur. Marchez plus ici. N'ayez pas peur. Marchez plus vite. Plus vite à présent. Allez plus vite, plus vite. Dieu est maintenant en train de vous guérir. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Avant, comment vous marchiez? Comment vous marchiez? Comme ça? Oui. Je prie pour vous à présent. Dieu, j'implore pour cette personne qui dit qu'elle t'aime, mais ne te sert pas. Elle dit qu'elle vole au ciel, mais vit marchant de perdition. Change les pas de cette personne, Père. Dieu, au nom de Jésus, je paralyse cette œuvre maligne. Je dis, sors, va-t'en d'elle, au nom de Jésus. Et vous dites, Amen.